Bonjour et bonsoir très chers internautes. Bonne fête de l'indépendance. Le 30 juin 1960, 30 juin 2022, cela fait 62 ans jour pour jour que la République démocratique du Congo est pays indépendant et nous avons accédé na auto bengi ya indépendance en mboka na biso. Voilà pourquoi on est de cœur avec tous nos ancêtres ba nous surtout qui ont réussi à vous sopa makila na bango pour Congo azwa lipanda et tika ete to sepela na bango to sepela na ba nous surtout ba tika biso et to kandisa bango pardon ba auto ba tika biso to sepela biso ba nzamba bate na bon moyi pe jamais mona suka. Actualité, pièce contre pièce, nous allons parler état, il y a aspect sécuritaire dans SNA Bissot. Nous allons parler de Moïse Katumbi encore, qui menace de quitter l'Union sacrée. Est-ce que ma menace n'a eu rencontre Vital Kamerhe et Fatshi? Je vais encore parler de Mambozo le Kanangola. Pourquoi pas tout le Bila Marambouya? Situation, il y a fermeture, il y a un parlement debout. Mesir et Zoua Maki, na auto bengi ministre de l'Intérieur, mais tout le monde on dirait que Izuka Akamoko, quand on souhaite travailler na bango, normalement, ça veut dire, est-ce qu'il y avait une main noire na Simawana? On ne sait pas. Tout le monde est na Marambotali, sécurité. Vous voulez contacter Benjamin Monasuka pour toutes les informations et Bobo Santé, numéro na ngaya téléphone, piste 243 9. 70-40-89-57. Dans l'est de la République, Routchourou, les FARDC reprennent le contrôle des quatre villages jadis occupés par les M23. Les militaires du secteur opérationnel Sokola D, Grand Nord, les 24 à l'état-major des FARDC à Beni, Bazouaki décision et Paya, chef d'état-major général, pour na koluka ndenge nini ya lelo oyo kosala na lolenge sengeli to récupérer ba village na biso o ba rebelle ba zwaki ndé to récupérer Kalerenga to récupérer Kako to récupérer bu Rubara to récupérer Rutshuru centre sur la route nationale numéro 2. Les éléments de la police congolaise et une fille ont été blessés par des éclats d'abou lancés par les rebelles après-midi à Tangu Mungama, indique les sources locales. Cela veut dire quoi? Guerre Oyo et comment que l'a à lire Moussous? Guerre Oyo et comment qu'il n'engue Moussous? Les FARDC, Mapinga et Mbokanabiso, Bakoma et Kozonga Sima, Onanini, Tangu Toke Nairobi qui est négocié. Zokande Kagame na batunaye bango déjà ba anticipati bakendaki bakomaki déjà koluka kobundisa et biso toka kotika la auto bengi kidiba nde omoni mokonza mboka tindi unité auto bengi unité jungle formé na niveau ya Gabon aye ko tinda pe na renfort outa ki na Kinshasa. Tout ça c'était pourquoi pour renforcer ba FARDC na biso makambo ki ndi biso bande konanga. Les gens pouvaient critiquer Mokonza Mboka. Aujourd'hui la réalité, il y a état de siège. Attaque au FARDC. Toujours attaqué par Rwanda. Et là, qui s'imba la mokoke na mboka na biso. Plus rien ne sera comme auparavant. Lelo oyo, le peuple congolais commence à comprendre que au sommet de l'État, nous avons notre frère. Nous avons notre sang qui s'appelle Vélébien Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons dit Fatshi Béton. Pourquoi nous avons dit que nous avons dit parce que
Kagame a commis un niveau ya kotinda unité spéciale de protection na ba commando. Ba commando oyo ba protéger ka Kagame to kangi ba effet de guerre na bango. To kangi minduki na bango, to kangi ba teni na bango. Et aujourd'hui à la face du monde, Kagame ne peut plus se faire victime. Politique à Kagame zaki nini. Il a commis ça la victime que bazobo maba ba tutsi bazo sala boye baza ko exterminer biso. C'est comme ça que la communauté internationale à l'ensemble na bango mobimba et bakomaki bakomisaki Kagame lokola mwana oya bango bazo protéger. En protégeant Kagame, Kagame a bandé pour profiter na pour soi zaki nango. Po yesiko yo a komisa RDC bilanga nae. En nommant même un administrateur o bandé ko administrer le Congo. Congo comme le roi profiter privé ya Kagame na routine da Kabila a bandé ko kamba biso. Ezali makambu ya soni pe mawa. Na ko lela ko mona aujourd'hui ki Oto bengi Kagame azalaki président to Kabila azalaki président na biso ezana loko oyo ngana lelaka na oka passe lokola yango te. Et vous allez comprendre que na koluka ko sala makambu nyonso to Fatshi a utilisé politique ya bikna papier. Bikna papier po alonga Kagame na batu na ye. Akeya lobi, Kagame c'est mon frère. A chronique gangawa, a bengi Kagame frère na ye. Eza kop na bango. Yozo mona teke na Fatshi. Na Kabila eza ka ndenge moko. Le Rwandais ba continuer ko boma biso. Pourquoi? Parce que il a appelé Kagame frère. Or, il y a une politique à l'école et les renards. Il fallait que Luka, il y a un maîtrisé Moutouana. Il y a un système qui est beaucoup. Il y a un système qui est fou. Il y a un phénomène qui est un phénomène. Il y a autorisé une force spéciale à l'école. Mais, il y a un phénomène qui est en quantité. Il y a un phénomène qui est non. Mokonza mboka na moma obiso tozo luka makambo kende bien entre biso na Rwanda toza posa to yo kanate yake ko negocier kuna accord pour ba Rwanda ba kota na mboka na biso, chose qui était faux et archi faux ponani et poani na loba bongo parce que Kagame il a traité Mokonza Mboka d'incapable, a dit incompétent parce que ba accord nyonso ba salaki lelo les FARDC monte au chrono a récupérer 4 villages poani ni osé armé il y a maintenant des Congolais auto beta kasete ba des pères et des mères bolanda siko. Quand on a récupéré tout ce qu'on a récupéré, ça nous pousse maintenant. Il y a bien souhaité que les Congolais, tout comme on a capacité, il y a qu'on doit télémer le pays Oyo, agresseur. Aujourd'hui, on ne traite plus Rwanda comme étant pays kaka ya abinga rendu pays ya ya frontalier na bisoté, mais on traite bien désormais Kagame comme étant l'agresseur du Congo et la communauté internationale abandé ko boya lelo andimi yango. Je vais lire les rapports ya conclusion ya ONU.
Et nakati ya rapport wana, vous allez comprendre maintenant que Kagame na batunaye, ils vont pas, ils sont pas là pour nous faciliter. RDC, République démocratique du Congo, vit. Pourquoi? Pour eux, le Congo, pays Oyo, et comment est bilanga. Là, les gens n'en parlent pas. RDC, comment est bilanga? A comment est le roi système à Sili Koti? Oya ya Koti? Oya ya Bimi? Ouganda, vous n'avez pas sanctionné. A sanctionner Ouganda. Ba entreprise ba ndeko évolue kuna. Et toka or na biso. Ezo zwa yango ndenge ba lingi. Pourquoi? Parce que ezaki na complicité. Parce que Kabila na batu na ye. Ba zwa ki mboka. Ba tiki yango na porte ya tous ces pays là. Le Rwanda, l'Ouganda, bakwa osala oyo bamba lingi na Congo. Ndomo tato bandi ba effort ya ko bunda. To koma na étape oyo ya ko récupérer ma solo nyo sote pa na biso. Qu'est-ce qui s'est fait? Nous signons avec l'Ouganda pour to mutualiser ba force to bundisa ba ADF. Or, l'Ouganda prend les mêmes ADF. Azo a même bateau yo, tout luka. Baotin diga wamba kumba M23. Les M23, sans peur d'être contredit, c'est un mouvement désormais. Oyo, na France, non, na Rwanda, na Ouganda, basangani, parce que ça va de leurs intérêts communs. Vous devez d'abord savoir quelque chose. Rwanda, hein, na Ouganda, bazaba signataire y a les accords de l'Emirat, ou basignaka à l'époque et pas y a Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et ces accords-là, y a un monde comme si ce n'a pas su. Y a un monde qui est libiso. Et aujourd'hui, tous allés dans un changement y a ma casse. Et très chers internautes, na osenga na bino bo contenir vos abonnés, bo partager les liens émission parce que esengé na banda déjà rechuté. Na koti na deuxième point. Je vais parler une seule fois pour toutes. Dossier ya Vital Kamerhe Wakaningili rencontre na ye na mokonzi ya mboka. Avant na ba mbo parlementaire debout. Vital Kamerhe Wakaningili le king oyo ba libéré ye ni est pas chef de l'état ni est pas président de la république. Président de la république atana mukolo ata mon côté atikala kozala na problème na auto bengi Vital Kamerhe. Le problème ya Vital Kamerhe, il avait un problème avec la justice congolaise parce que babane ko akize ye y a détournement il y a plusieurs millions et des millions de dollars oyo et babane ko appartenir na l'état congolais comme babane ko akize ni babenga ba VK que à soi qui m'ont à l'état à sala qui bouille à sala qui bouille n'a qu'à sa conseil des ministres pépé ilunga ilokamba à soi maloba lobby et en adossé moko ya paye de 67 millions de dollars américains n'a qu'à sa dossier wana mon bimaki na projet 100 jours dirigeance. Or, qui dit les 100 jours dirigeance à Mokonza Mboka, on voit directement les directeurs de cabinet et les chefs de l'État.
Et comme c'est le directeur de cabinet chef de l'État, où la bande a supervisé, à l'époque, premier ministre Azalakite, et tous ceux qui sont balamoko, nakolo bakeno, mokonzambo katile malobi, que la justice fasse son travail. Et ministre de la justice à l'époque va instruire dossier baba na kolande la dossier ya Vital Kamerhe Wakaningini le king balandeli dossier et comme ici biso na condamnation à Vital Kamerhe ba condamné pour na 20 ans de prison. Comme justice et Sengela qui est vidé parcours judiciaire Mobimba. On a dit on va nommer un nouveau directeur de cabinet. Na kombo ya Guilain Niembwe. Avant Guilain Niembwe, on va dire sur intérim, c'était monsieur le ministre, l'actuel ministre, il y a numérique, Eberand Kolongele. Et c'est comme ça que dossier à Vital Kamerhe et Kendaki. Mais la justice qui a vider tous ses cartes. Akangi Vital Kamerhe à côté de la prison. Les gens ont applaudi. Ça lit bien ne bakangi. Aibi mbongo. Et na mambota la ki 100 jours to monaki. DG ya Rabank on a vu même les biens confisqués par-ci par-là. Où est-ce qu'il y a un problème? Mais chef de l'État, on a pour se protéger Kamerhe. À côté, il y a une justice pour nous. Banda Congo, Ezala Congo, c'est pour la première fois qu'un directeur de cabinet, le chef de l'État, va kangaye. À ça la boloko pour na makambo ou ya sali tout va fondé lié et belé banima était que un directeur de cabinet ba encore kangaye li susu mais malgré ça le chef de l'État Atikaki, na principe ya séparation du pouvoir. Que Vital Kamerhe, Otobenga Veka, Alandela, Makamuneza qui na justice, justice a acquitté, topé a condamné, et ala ki chef de l'État te. Na monaki pamisusu kote lema kolobake non soba kondane Vital Kamerhe ezaponanin c'est parce que Fachi anaposa ya na 2023 ye Azala Yemoko, c'est pour écarter Kamerhe politiquement. On a vu même certains membres de la famille politique. Na ye, Kolobake non, Onyon Soyo, Bazoluka, pour écarter Kamerhe
Kwa nini Kamere azali potentiel candidat na 2023 yangone ba ekarte. Wane za nzembo yo toloba e bandai ko betama e paya bato nyonso baza ba proche ya Vital Kamerhe. Nous avons su supporter cette situation. Et yoko leka to komaki sikoyo na niveau ya appel pour na bat musu na Bukavu bazo ekarte Kamerhe bao sala boye. Non, on savait que c'est la politique. On savait que c'est la justice qui doit faire son travail. Et ce qui va pour quitter, ça va. Ce qui va pour condamner, ça va. Et ça qui est le bombardé. Et ça qui sonne pour la bisauter. Parce que l'état des droits signifie affronter la justice. Et la même justice qui avait condamné hier, c'est la même justice qui acquitte, comme on a acquitté Vital Kamerhe, il y a trois choses que vous devez écrire. Quand on a acquitté Vital Kamerhe, on a compté en dessous des cartes. Vous abonnez massivement, vous partagez les émissions. Boye bisalat ke Benjamin mona sukazali awa. Na senga na bino pena partager lien. Senga na batu balanda biso vraiment en direct oyo ko sa biso bien. Na bandai ko loba. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Et le réseau s'est passé ça que ba quitter Vital Kamerhe. Vital Kamerhe 1 azali parti politique naïe. Ils allaient allier. Il y a parti au chef de l'État, Zaki Mokondi. L'UDPS, INC, na IDPS, Bazan accord. Au Baloubi, accord à Nairobi. Kamerhe, Azali, ancien collaborateur proche. Directeur de cabinet, il y a chef de l'État. De trois, Nekwana a outi prison. Nena cadre wana, Kamerhe qui n'a pas chef de l'État. Ça n'a rien à voir na nomination ya Kamerhe comme premier ministre. Rencontre Oyo, le chef de l'État. A kende kokuta nana Kamerhe, ono Kamerhe ino kouta chef d'état, pardon, ça n'a rien à voir na makambu ya nomination na ye comme état premier ministre. Bola nangai, se posa posana tinda bino ngonu sous détail, mon numéro de téléphone c'est plus 243 9 70 40 89 50. Nabandi kotanga. Le président de l'INC, l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe a échangé ce mardi dans la soirée avec le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo à la cité de l'Union africaine à Kinshasa. Au terme de cette rencontre, l'ancien directeur de cabinet du président de la République s'est exprimé devant la presse, répondant à une question sur sa probable nomination au poste de premier ministre en remplacement de Michel Sama Lukonde. Celui-ci qu'on appelle le pacificateur par ses intimes n'est pas allé par les dos de la sueur. Vital Kamerhe a indiqué, tant que citoyen congolais, il est prêt à servir son pays, la République démocratique du Congo et son peuple. Je ne vois pas comme un citoyen prêt à servir son peuple. Quel que soit le preuve que j'ai enduré, qu'il doit être au-dessus de ce qu'on peut donner à sa patrie, à son peuple. Et a répondu Vital Kamerhe. Batouna qui Vital Kamerhe n'est question. Toyo Tio Bimi Boye,
Est-ce que Zali te pour Oko ma premier ministre Veka lobi que ngai koko ma premier ministre ce qui bâti ngai ils en ont ma bête pour en servir nation. Mais je vois les gens écrire dans les réseaux sociaux Kamere prochain premier ministre na ndoto oto na nini. On doit arrêter ces histoires là. Kamere à mon chef de l'État comme étant membre réunion sacrée, comme étant INC allié à IDPS, comme ancien directeur de cabinet chef de l'État, Oyabimina Boloko, Boloko va acquitter la justice. Et est-ce que chef de l'État est Azali ennemi? Il y a Kamere, chef de l'État. Nemutwa kanga ma Kamere, chef de l'État. Nemutwa pesa instruction pour se changer. C'était le gouvernement au travers les ministres de la justice. Mais il y a chef de l'État. Il y a Kobo ya kokutana Kamere zalaki nini. Aujourd'hui, toi qui es dans la donne politique, nous avons l'Est de la République, nous avons tout ça. Si Kamere a été acquitté, ce n'est pas sur instruction du chef de l'État, mais c'est par rapport à la justice qui a épuisé toutes ces étapes. Ce moment, c'est insurgé dans la justice. Nous avons dit que la justice est indépendante. Bon, aimer la vidéo, na biso. Beau partager lien, beaucoup t'a ébélé en direct parce que nazana makambo funa bimisa ao. À l'occasion faisant, Vital Kamere a notamment réitéré son soutien, sa loyauté au chef de l'État Félix Antoine Tshilombo et s'est dit prêt à renforcer le partenariat politique qui le lie avec le chef de l'État à travers leur parti, INC et UDPS. Il a aussi annoncé un premier contact avec la base à Kinshasa et à Bukavu à l'occasion d'une critique d'action de grâce. Wana ezali parcours naye makamboko sala. Mais lobby kokutanaya Kamere na chef de l'État, ça n'a rien à voir na probable nomination naye na primatire. Wana ezali makambo ya ba réseaux sociaux et que ba bengisa ka mérité pour ba nommer directeur de cabinet to pour ba nommer autobengi premier ministre. C'est faux et archi faux bolongo la hypothèse à premier ministre parce que toza wana te. Mais Kamere comme étant acteur politique, il a flashé sur Mamoutal est de la République et nakati wana il a encouragé la solution diplomatique et il ne s'était pas écarté de la solution autobengi militaire. Parce que au moins, il y a M23, il y a un lingal, il faut que tu aies un bango. Tu aies un bango. Baliambouma, il y a un Barnabé, Baliambouma, pour anini, ce rebelle. Il va se comporter dans l'anime. Na côté na deuxième sujet na troisième sujet pour na bana et pour comprendre que makamundenge ezokenele ezali tellement kitoko. Na côté na ce qui se passe entre mboka na biso na Bambo ka sous autre bengi ba pays limitrophe na biso entre l'Ouganda et le Rwanda qui ont une même mise sur la gestion sur contrôle ya ba minerai na biso et pour battre ba landangai bien ba comprendre le moko que
auto bien on a une TV pour na ko détailler salité à partir na ngai c'est fragiliser mon parti et ko pesa batu ya ngambo mosusu makasi et moi je suis pas dans ces blagues là moi je suis du côté tous à réaliste mais aujourd'hui nous accepteurs tous on dit ma mesure pour na ba autorité ya mboka bazu yango mais tous on mona mesure yango pour na nini fait landa batu ya kamoko etika batu ya kamususu pour na nini lelo on doit interdire les parlementaires de Bouya et IDPS ko landa bango na bazangu ko kanga ba miso kota na ba prison mais oyo ya ba parti mususu bazo continuer ko fonctionner normalement muta ko toucher bango azalité là nous disons que ce qui mesure en comme il y a bongo biso nyonso to ko zongela ba parlement debout et nous allons faire une délégation avec beaucoup d'un ministre. Oui, mais ça y est, il y a un mobé pour un banner pour un abattu tonin. Ce qui mobé pour un chamaki et chamaki pour un abattu nyonso. Et son encore ça, ma caméraman, les gens qui ont fait la ronde aujourd'hui dans Zandu, ils ont constaté que il y a des parlementaires debout. Il y a ba ou ba landa biso ba soutouka la mouka. Il y a ba palou. Ils ont continué. Il y a quoi est vrai. Mais à l'entretemps, Gilles Kaloubi a zan la prison. A zan la boloko, pardon. Bisiko ba kangiye. À l'entretemps, les parlementaires debout ne peuvent pas fonctionner. Or, oh, ba parlementaire debout, ba zaki le rôle en gonga, ou ya katholiko. Hein? Ou ye bande ko la moussa. Ba pepe congolais partout. Et, biti ya parlement debout. Boyebi yango ezaki mingi mingi transmettre l'information de bouche à l'oreille bato biso to pesa ke information ba panzaka yango biso ba Benjamin mona suka pe tozo mwa libaku malamu ya koleka na ba internet ne to panzango boye information ezo panzana mokili mobimba et vous êtes nombreux ya kolanda biso très nombreux nous vous disons merci aimez nos vidéos partagez les hein bo partager yango. Numéro ya contact nangai piste 243 9 70 40 89 57 tu veux contacter Benjamin Mwanasuka piste 243 9 70 40 89 57 soit au komelingai na Facebook Benjamin Mwanasuka na TikTok Benjamin Mwanasuka Instagram Benjamin Mwanasuka nyo surtout Benjamin Mwanasuka na rappeler na bande ko boy boka tate bola nangai bien vous allez pour na bumba gilo mo ya suka ya Angola ande ol babu soza pour ça somba le pango na yo 20 na 2000 dollars tu n'as qu'à appeler mon numéro plus de 143 9 70 40 89 57 20 na 2000 dollars ba Teresa na ntele ezape na maluku ba sala ba aventure mo bien ba domaine ba pango c'est pourquoi Benjamin mo na suka na constituer groupe na ngai oyo tozo somba pe na mabele sali yango makambo nyonso tout et boye zitete na kobenga na numéro wana soko lwesa zongite tokuta mokolo lobby bozaki mbe na sima ba kamera na pesi bino tombote et tokuta mokolo lobby ciao.